j'ai oublié d'allumer la lumière et... C'est mieux. Bonjour tout le monde sur le campus de la Salty Academy. Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour à toi, Rainbow Six, où je suis banni. Trop cher le sub. Le best teammate. Remember it. Ah, t'es un cheater, on le savait. Il n'y a rien qui pourrait me faire plus plaisir qu'une personne qui me traite de cheater. Honnêtement, est-ce que c'est pas le plus beau des compliments que celui de se faire call cheater, honnêtement? J'ai pas suivi, la Youngti, ça donne quoi là? Play FL88, hey mec, renseigne-toi un peu. Regarde sur Twitter, regarde sur Discord, renseigne-toi, va chercher les informations un peu. Tu peux pas, au bout de 3 ans là, où t'es jamais venu, où t'as jamais rien suivi, arriver et dire « Mettez-moi au goût du jour !» Ok, va sur Discord, les gens te répondront, ils sont 18 000. Mais regarde un coach par exemple, à un moment il va voir ses joueurs et il leur dit « Hey !» Si on continue comme ça, là c'est parfait les mecs, c'est parfait, ok? On continue comme ça, ce soir, on rentre chez nous. C'est ça que vous voulez? Ça va être absolument incroyable. Moi c'est grave ça que j'ai envie. J'ai tellement envie qu'on aille saluer ces et qu'on prenne l'avion, qu'on rentre chez nous ce soir, qu'on rentre et qu'on soit dernier. J'adorerais ça, de devoir repartir un an, plutôt que de me focaliser maintenant et de retenter l'expérience dans un an. Ça, j'adorerais. Et ça, c'est de la psychologie inversée. Au final, tu penses tout l'inverse, on est d'accord? Oui. What? Mais je te vois pas, moi. Dommage. Bien joué. Merci. Ouais, je sais pas comment je te la mets, j'ai fait un cercle autour de toi en plus. Non mais oh, non mais c'est incroyable. Non mais moi y'a que ta tête que je tire hein. Tu vois ça? Ça me vénère. Ça c'est le genre de truc après tu te dis bah ouais mais bon l'intégrité. Non mais y'a pas d'intégrité dans le jeu. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Y'a qu'en LAN où ça va à peu près quoi. Ah, bien joué. Je t'entends pas du tout à droite avec tout le bruit du truc là. Bien joué, poulet. Merci El Taterd pour le fait d'être un nouvel étudiant. Bon, c'est pas mal ça. Crosshair placement, c'est bien. No stress, ça réagit bien. Ça push quand il faut. C'est propre là, non? Si, ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Pourquoi des défaites? Soit c'est eux en face, ils sont vraiment, vraiment bien réveillés. Mais je pense que c'est plutôt nous quand c'est trop endormi. Ouais, ça veut rien dire ça. Bah, ça, c'est de l'analyse de PMU de comptoir. Peut-être un petit peu trop diff à la. Quoi. On a été un petit peu trop libre sur les games qu'on a perdu, du moins. Parce que ceux qu'on a gagné, on a bien joué. Quand on gagnait, on mettait des 4-1, des trucs comme ça. Ouais. Tu me trolles ou je sais pas? De quoi? Non, ah non, d'accord, tu me trolles pas du tout. D'accord, ok. Tu fais juste des analyses de. D'accord, ok. Non, mais c'est important pour moi de le mais savoir. Mais en analyse, je suis une. Ouais, je le confirme du coup. Effectivement, c'est pas ton fort ça. Hein. Franchement, on aurait dit Didier Deschamps il y a 20 ans quoi. Je pense que t'as côté comment on était plutôt pas mal. Ce qui nous a permis sur la droite ou sur la gauche. Arrête de vouloir sortir en. Mais je vais te. Toi. Viens là. T'es pas blanc là? Non, j'étais trop loin. Ah ouais, genre zéro blanc. Ah, et la tête là, rien du tout. Il n'a pas le niveau argent. Bah non, il n'a pas le niveau argent. Oh, c'est à voir que soit tu joues pas assez, surtout en ce moment où tout le monde peut être champion. Enfin, pas tout le monde, mais c'est pas dur quoi. La grande majorité des gens. On aurait dit l'analyse d'un match de foot par Kim Kardashian. Bah, je pense que là où on a bien joué, on a été meilleur. Et toutes les parties où on a mal joué, c'est parce que on était moins bon. Partant de ce postulat universel, je pense qu'on peut en déduire que si on était moins pire, peut-être qu'on serait meilleur.
Et peut-être qu'on perd, ça nous permettrait de gagner plus de matchs qui pourtant étaient perdus. Ok Didier. Non mais c'est hyper important ça sur Rainbow Six. Analyse. Non, de savoir pourquoi, tu sais. Wesh, t'es rentré où? Ah, tu peux rentrer là derrière toi là? Ouais. Ça, je savais pas du tout ça. Oui, par la petite fenêtre par laquelle Wesh. Personne ne peut passer. Et avec celle avec les barreaux. Je me suis décomposé, oui, bah non, comme Témi là. Dans, alors t'es rentré où? En dessous, au billard. Mais étant donné que j'ai utilisé mon truc, ça t'a fait flipper. Tu t'es dit, il doit être dans la chambre. Et comme il était dans la chambre, tu t'es dit, ok, mais je vais arrêter de bouger. Je suis rentré dans le billard. Parce que ça, c'est mon cerveau. Quand je commence à veiller comme ça, faut que je boive. S'il y a une petite surélévation, tu peux parfois utiliser ton grappin. Ouais. Pour accélérer dans un endroit, pour faire le bruit, pour mettre le bruit. Tu peux l'utiliser par exemple, tu sais, sur café. Tu sais, au niveau de l'abribus là en bas. Tu le vois à la fenêtre du boudoir ou pas? Oui. Non. Qui donne sur la porte après, qui donne sur la bakery, enfin boulanger. Oui, oui. Ouais, ça. Et ben là, au niveau de l'abribus, tu peux t'y mettre et. Et foutre ce bug quoi. Exactement. Au niveau de, tu prends marché de Noël, tu te barres derrière la Jeep, il y a un abribus à gauche là qui fait le coin de la pièce. Bien joué. Check, t'es là. Merci. J'arrive, je vais chercher de l'eau. J'ai fini? Vas-y. Faut que je pisse et je vais chercher de l'eau. Attends. Oh la pub, elle prend un sub toi. Ta mère. Avec plaisir. Oula. Non, genre ça pas tiré. Ta gueule. Comment ça? Ta gueule. Non. Ah ouais, t'aurais pu me la mettre longtemps, ok. Ok, okay. C'est qui le patron là, ok? Et moi. Oh mais pourquoi? Ah oui, le self revive, putain, j'avais complètement oublié ça. Laisse-moi prendre à des opérateurs là, merci Tater. Oh, je vais te dire. Moi je t'ai rien dit moi. Chut. Tu me tibagues en là? Non. Non. C'est mon clavier. De respect, c'est... Non. Mais non, c'est mon clavier, il fait des trucs chelous tout seul, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non, c'est... pas moi. C'est... T'as pris une balle ou pas? Aïe. Oui, j'ai 2 HP. Non, t'as pas pris de balle. Je suis autoflash, j'ai trop le seum. T'as pris des balles ou pas du coup? Non! Aucune! T'as pris des balles ou pas vraiment? Non! J'en ai pas pris! Non! Et toi, t'en as pris? Non. Non! Bon bah alors j'en ai pas pris! Tu vas me redemander une troisième fois si j'ai pris des balles! T'as pris des balles? Non mais c'est pour être sûr. Ah je sais pas si j'ai pris des balles, mais si tu continues, je te jure, la vie de ma mère, je vais me mettre d'une cartouche. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Pas ça la chanson. Ah je croyais que tu faisais de musique. Ouais, j'attendais que tu fasses le pam pam derrière.
Vas-y, on se fait ch... Ah, j'arrive. Bah, je t'attends, écoute. Non, mais en vrai, t'as pris des balles. Non, j'ai pas pris de balles, et toi? Ah, ta... Là, tu regardes plus un seul drone en c***. Bah non. J'y vais. Mais non, mais non, mais prends des balles, prends des balles. Mais attends, mais hey mec, tu t'es pris pour qui? Regarde, regarde. L'autre, il marche dans le feu. Et tu t'es pris pour Daenerys, là, ou... Comment ça se passe? L'autre, I'm gonna walk in the fire. Bah, je suis un fakir. Pourquoi tu martyrises un enfant? Parce que c'est jouissif. Moi qui n'ai pas d'enfant ennemi, pouvoir martyriser un mioche, c'est le seul truc qui me manque, tu vois. D'ailleurs, c'est le seul truc pour lequel j'aimerais avoir un enfant. Pour le martyriser. Pour le faire chier. Bon Mopiz, regarde la caméra. Petit 1, dis, je n'ai jamais cheaté. Je n'ai jamais cheaté sur R6. 100% mais ça compte pas Minecraft. 100% des personnes Minecraft. Avant toi non, qui même... l'ont fait devant une caméra et qui ont dit la même phrase, ils avaient cheaté. 100%. Je n'ai jamais cheaté sur Red Bull 6. Putain la vache, on dirait Bill Clinton. Je n'ai jamais ni Monica.